Yo tout le monde, c'est Squoon, j'espère que vous allez bien. Je sais que là en ce moment j'aime bien faire des vidéos expérience physique. Ça va plus être une expérience mentale. Ça fait pas mal de temps déjà, je prends un complément alimentaire qui est de la biotine. C'est pour avoir des ongles plus durs, les cheveux plus durs, à ce qui peut faire pousser plus vite. Depuis que j'ai commencé ma formation, j'arrive pas du tout à me concentrer. Genre en fait, ils parlent, même des fois ils m'interrogent et tout. Genre oui, je sais. En fait, j'y arrive pas du tout à me concentrer. Genre je suis dans un autre monde carrément. Je me suis dit pourquoi pas essayer ça. J'ai un peu de sous, ça coûte 20€. Améliore l'activité cérébrale. Et surtout un commentaire. Bien plus pour l'instant, j'ai pu arrêter mon antidépresseur dans le j'ai lu de ce truc là. Donc là, je vais en prendre pendant un mois. Toutes les semaines, je vais vous faire un petit récapitulatif. Là, je vais aller faire un human benchmark. Ça teste tes compétences, tes réflexes et tout. Je vais en refaire un toutes les semaines pour voir comment ça s'améliore. Comme vous pouvez voir, il y a un truc vraiment que j'y arrive ultra bien et que là je me suis loupé parce que j'aurais pu faire beaucoup plus. C'est faire bas memory. La dernière fois j'avais fait 69 et non, moi j'y arrive bien. Là par exemple, je me suis loupé encore une fois, j'aurais pu faire plus. Bon bah, on se retrouve pas, je sais pas quand. On est le deuxième jour. Je viens de remarquer un truc. Aujourd'hui, j'étais pas bien de ouf. J'avais souvent mal là. Genre, j'avais envie de pleurer. Comme la sensation de pleurer, mais en même temps, non, je sais pas, c'était bizarre. Allez, on se retrouve plus tard. On est le quatrième jour. Le seul truc que ça fait pour l'instant, c'est que je suis encore plus dépressif. D'ailleurs, je suis mon directeur de la formation et il a bien vu que j'y rêvais pas. Je pense à rien. Dès que je pense à un truc, c'est des trucs négatifs. Le cachet était censé faire quelque chose. Là, depuis que j'ai pris, j'ai l'impression que ça va pire. Normalement, ce genre de truc, c'est justement comme ça. Puis après, ça va mieux. Donc, il faut vite que ça aille mieux en fait. Parce que sinon, j'ai plus de formation. J'ai pas de boulot au cas où. Et donc, je fais rien. Alors super, le cachet, je crois, au niveau de la joie, il fait vraiment tout l'inverse. J'ai décidé d'arrêter la formation. Du coup, je vais faire quoi? Bah rien, du coup, en fait. Je vais juste faire rien de toutes mes journées. Je vais faire vendeur, des trucs comme ça toute ma vie. C'est ce que j'avais dit quand j'étais au collège. Je l'avais dit que j'allais faire un truc de merde toute ma vie. Alors non, mon petit Squoon, tout se finit bien. Je recherche des apparts. J'ai une aide de 1€ par mois, c'est-à-dire je ne peux pas travailler. En fait, c'est pas que je vais faire un boulot de merde, c'est que je vais rien faire. Je vais me lancer dans YouTube à fond et puis je vais faire quelques autres trucs et j'en parlerai dans une vidéo vraiment spéciale. C'est bientôt mon anniv, donc là il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir. Quand je vais avoir un appart, je vais commencer à mettre 2 vidéos par mois, puis après je vais commencer à en faire une par semaine. Vous allez voir, ça va vraiment être énorme. J'ai vraiment l'impression que je lis l'avenir. La masse de trucs en fait que je vois dans mes rêves et en fait tous les trucs que je vois dans mes rêves se réalisent. Ce serait bien que ce soit des trucs positifs par contre un jour du coup. J'ai oublié le mot de passe de mon tel, puis ce matin j'arrive pas à le déverrouiller. C'est censé aider à la mémoire, hein. Juste pour vous dire. La mémoire que j'ai là actuellement. On est jeudi soir, c'est la fin de la première semaine. Là, c'est quand même 2 jours après. Donc là, je vais faire un deuxième human benchmark.
Là on est bientôt la troisième semaine. Je me demande tout simplement à quoi ça sert la vie. Donc le cachet il marche pas trop. Pour l'instant je tenais juste à vous dire qu'il a servi à rien. Le cachet a servi totalement à rien. J'ai arrêté d'en prendre parce que trois fois par jour, en fait, prendre un médicament trois fois par jour, c'est juste trop pour le vraiment vraiment très peu d'utilité. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous n'arrivez pas du tout à vous concentrer, je vous conseille de le prendre pendant 3 semaines, puis après ça sert plus à rien quoi. Enfin maintenant j'ai l'impression que je suis comme avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, si vous pouvez mettre un like, j'aimerais bien en avoir 20, voilà, ce serait pas mal. Si vous abonnez, mettez les notifications. Si vous abonnez, vous n'aimez pas ce que je fais, c'est pour faire plaisir. Ou si vous savez que vous n'allez pas être actif, abonnez-vous pas. Ça fait des abos inactifs. Vous pouvez me suivre sur Insta aussi, je mets toutes les infos. Et si vous pouvez juste partager la chaîne, genre en mettant en story, en mentionnant si vous voulez, en partageant, en parlant à vos potes et tout, ce serait juste super sympa. Voilà. Salut.